Bien, donc cette opération-là, d'abord je remercie la presse d'être présente. Elle est là pour confirmer une orientation qui a été rappelée très récemment par le ministre de l'Intérieur, d'accentuer les opérations anti-rodéo, tant en zone police, on est en zone police aujourd'hui, qu'en zone gendarmerie. Je rappellerai quand même, il faut le rappeler, 5 août, il y a quelques jours, vendredi dernier, à Pontoise, deux jeunes enfants, 7 et 11 ans, dont une risque de porter des séquelles neurologiques à vie. Deux enfants grièvement blessés parce qu'un jeune de 18 ans, inconscient, irresponsable, a tout simplement enfreint les règles minimales du respect du code de la route. Donc ce sont des actes qui sont potentiellement répréhensibles et inadmissibles, qui mettent la vie des autres en danger et qui constituent un danger du fait des incivilités et du fait des drames qui se produisent récemment. À propos, il y a quelques mois, le 5 juin, c'est un jeune, cette fois-ci de 18 ans, qui à Rennes a été tué dans le cadre d'un rodéo, parce qu'il a été victime d'un rodéo. Donc, comme va l'indiquer Monsieur le Contrôleur Général, ces opérations sont accentuées. Le ministre a demandé à ce qu'il y ait 10 000 opérations de ce type au mois d'août, dans toute la France. En zone gendarmerie, c'était le cas hier soir d'ailleurs, en zone police aujourd'hui et tous les jours. Et j'ajoute que la loi désormais le prévoit, les policiers peuvent réquisitionner les véhicules qui sont en cause, qui sont conduits par des inconscients, par des irresponsables et qui se mettent eux-mêmes en danger, mais pire, qui mettent en danger les autres. Donc des comportements qui sont intolérables dans la République et qui sont contraires au respect de l'autre et, comme on le dit souvent, au partage de la route. Donc la route, c'est pas un terrain de jeu. La route, on prend un véhicule pour aller à son travail, on prend un véhicule pour ses loisirs, on prend un véhicule parce qu'on n'a pas toujours le choix, mais certainement pas pour faire le zozo dans des quartiers ou dans des villes qui sont des lieux peuplés et qui aboutissent bien souvent à des drames épouvantables. Donc moi je veux quand même rappeler que derrière il y a des êtres humains, il y a des enfants, il peut y avoir des vieillards, il peut y avoir des animaux, et que ces comportements peuvent être punis d'ailleurs d'un an de prison, 1500 euros d'amende, pour la seule participation à des rodéos. Et ça peut être accentué à 3 ans, indépendamment bien sûr de la réponse pénale. Il y a eu délit de fuite du jeune en question, refus d'obtempérer. Je rappelle quand même que quand vous êtes victime d'un accident sur la route, nous tous, en tant que citoyens et utilisateurs de la route, on s'arrête pour porter secours. Donc le jeune en question, et beaucoup de jeunes, ou parfois moins jeunes, hein, se servent de la route comme d'un terrain de jeu, en oubliant qu'un véhicule c'est dangereux et qu'il y a mise en danger d'autrui. Voilà les raisons pour lesquelles, effectivement, aux côtés de la police, moi je veux saluer l'action des forces de police et de gendarmerie permanentes qui tout simplement font en sorte qu'on respecte la route, qu'on se respecte les uns les autres et qu'on élimine les comportements qu'on peut qualifier de déviants, qui n'ont rien à voir dans notre République diverse et dans notre République démocratique telle que nous devons la considérer nous. Voilà, c'est un peu les propos généraux. Et ces opérations, comme je vais laisser le commissaire général bien sûr s'exprimer, vont se renouveler tout l'été et sur tout le territoire national, et y compris sur les territoires ultramarins. Il s'agit de porter un coup, y compris en trouvant les lieux où sont entreposés ces véhicules, parfois non homologués, donc totalement illégaux, pour mettre un terme sur ce qu'on peut appeler des délinquants. Et ces délinquants, ils auront affaire à la justice. Je précise bien sûr que ce type d'opération se fait en lien étroit avec le parquet, donc avec le ministère de la Justice. Merci beaucoup. C'était long. Je ferai plus court. Bien, donc, comme je vous l'indiquais, donc, les opérations anti-rodéo se sont intensifiées depuis le début du mois de mai. Nous en sommes à plus de 40 opérations anti-rodéo sur la zone police. Et nous allons passer à une opération par jour à Dijon. À Dijon et dans les communes de la zone police, et à deux ou trois opérations sur la circonscription de Beaune.
deux types d'opérations, donc parfois des opérations légères, donc avec 5 ou 6 effectifs. Là, donc, il y a une vingtaine de policiers qui sont engagés de différentes unités sur cette opération anti-rodéo, qui sera suivie d'une opération de ce que l'on appelle de visite de partie commune, parce que s'il est parfois difficile et potentiellement dangereux d'interpeller en flagrant délit l'auteur de rodéo, un de nos objectifs ou une de nos pistes d'action consiste à essayer de retrouver notamment les deux roues ou les quads dans les parties communes. Voilà ce que je peux vous indiquer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Dans un certain nombre de quartiers. Voilà quelles sont la manière dont on travaille. Donc les signalements des centres de supervision urbains, les signalements des habitants quand ils appellent, puisque ils appellent assez régulièrement, parce que dans certains cas ça peut durer plusieurs heures. Et puis également les pétitions et plus bien évidemment les constatations des équipages qui sont en patrouille sur tous les secteurs de l'agglomération. Et monsieur le secrétaire général parlait d'accidents dramatiques sur le territoire national. Est-ce que localement, cet été ou les étés précédents, il y a eu des cas dramatiques liés à ces rodéos en fait ? Pour cet été, la réponse est non. Pour les années précédentes, je suis un peu en peine de répondre, je ne vais pas là. En tout cas, c'est fait justement, ces opérations sont faites pour éviter. En fait, on protège aussi, paradoxalement, les fauteurs de troubles. Donc on protège d'abord la population, et c'est le rôle de la sécurité publique comme des gendarmes, et surtout, on indique, c'est des délinquants, la ligne rouge à ne pas franchir. Moi, franchement, je me mets vraiment à la place des parents, j'imagine deux enfants de 7 et 11 ans, un jeune homme de 18 ans tué à Rennes. Tout ça pourquoi ? Pour un jeu qui n'en est pas un imbécile. Il faut le dire. C'est des mots qui sont durs, mais c'est la réalité des faits. Donc il faut mettre un terme à ces agissements. Voilà, moi je suis désolé. On peut s'amuser, on peut utiliser des circuits. Il y a des circuits qui sont faits pour ça. Les jeunes ou moins jeunes qui sont intéressés par les sports mécaniques, ils peuvent se tourner vers les circuits. Mais certainement pas utiliser la route qui doit être partagée. Et c'est des comportements intolérables, inadmissibles et insupportables. On ne peut pas perdre la vie à 18 ans, on ne peut pas rester handicapé à vie à 7 ans, parce que un délinquant n'a même pas eu le courage, mesdames, messieurs, le courage de s'arrêter pour porter secours. C'est dans quelle commune ça ? Ça, c'était à Pontoise, le 5, donc c'était vendredi, ouais. Le 5 août dernier. Et le cas précédent dramatique, c'était pas vieux, c'était le 6 juin de mémoire, c'était à Rennes. Ça peut arriver n'importe où. Et comme votre question, c'était une bonne question, on est là tous ensemble pour justement éviter qu'un tel drame se produise. Voilà. Et si on doit dire non, on dit non. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas continuer ainsi. Et moi, je salue de nouveau l'action des forces de l'ordre, qui sont mobilisés tous azimuts, y compris, vous l'avez vu récemment, avec des patrouilles dynamiques pour éviter là aussi que la sécheresse donne de mauvaises idées à certains. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on est là, on est présent, et les forces de police viennent en ordre, en nombre, pour effectivement mettre un temps d'arrêt et éviter de voir ces spectacles et qui se donnent ensuite à voir sur Internet, on le voit. Donc on fait des roues arrière, on fait des concours entre groupes sur les réseaux sociaux. Et puis en même temps, et vous avez raison, ce contrôleur général, c'est quelque chose de totalement machisme et contraire aux orientations de notre République plurielle et diversifiée. Ce sont des jeunes et toujours des hommes. Alors si un jour vous trouvez une femme, il doit bien avoir une ou deux, des hommes, on fait l'abruti pour effectivement être démonstratif par rapport à des jeunes femmes. J'ose espérer qu'elles regardent bien d'autres choses que des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. Voilà. Et est-ce qu'on peut rappeler justement que faut-il pour qu'un deux roues ou un véhicule motorisé soit homologué et les bons usages de ce véhicule en toute sécurité. Les bons usages du véhicule, c'est déjà l'acheter dans des lieux qui soient homologués,
hein, faire tous les papiers, la carte grise correspondant, assurer le véhicule et que le contrôle technique démontre que le véhicule est justement prêt pour un usage routier et certainement pas pour être débridé, transformé, modifié pour devenir un engin de mort. C'est ça le sujet. Donc les forces de police vérifient effectivement que les contrôles ont été faits, que le véhicule a bien été acheté, qu'il correspond bien au type de véhicule homologué, qu'il est assuré, que le détenteur du véhicule est assuré, au passage que celui qui conduit le véhicule a un casque, qu'il est en âge éventuellement de conduire et qu'il a bien le bon permis de conduire, hein, parce qu'on a aussi malheureusement des cylindrées importantes. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais des 500 cm3, etc. N'oublions jamais qu'une moto, c'est formidable, une moto, mais il y a un rapport puissance-vitesse extraordinaire, et malheureusement, on le voit, hein, les policiers le voient parfois, les gendarmes le voient aussi, il peut y avoir ce que j'appelle des accidents accidentels, tout simplement parce que nous autres automobilistes, on fait parfois moins attention à une moto qui arrive, où on va tourner, on le voit, parfois des gens tournent sans clignotant, ou des malheureux motards vont percuter un véhicule précisément à cause des différences de vitesse. Donc l'idée aussi, c'est de rappeler malgré tout à la prudence et au respect mutuel de l'ensemble des usagers de la route. Alors, et surtout en milieu urbanisé. Monsieur le secrétaire général, on peut aussi rappeler à partir de quand un rodéo ou une infraction est constatée. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, à partir de quand vous allez verbaliser? Alors ça, je vais peut-être plutôt laisser la parole à Monsieur le contrôleur général pour qu'on le fasse effectivement en duo. En fait, donc, un rodéo, ce sont deux choses à la fois. Donc, il y a à la fois le rodéo, donc au sens donc au courant, donc de la personne qui va faire donc du wheeling, ça va être qualifié de rodéo. Et il y a l'infraction donc de rodéo, donc qui est un délit qui date de 2018, avec donc trois conditions. Il faut que ce soit un véhicule terrestre à moteur. Donc le vélo, donc sur la roue arrière, ça peut pas faire. Il faut donc qu'il y ait donc des infractions donc réitérées. Donc par définition, ben, ça veut dire qu'il en faut quand même plusieurs et assez sérieuses. Et la troisième condition, donc, c'est qu'il faut soit que ça mette donc en danger la sécurité des usagers, soit que ça apporte une atteinte à la tranquillité publique. Ce qui fait que donc tout rodéo signalé par une pétition ou un appel téléphonique ne constitue pas pour autant le délit de rodéo. Et il ne s'agit évidemment pas des rodéos du Wyoming comme à Cody. Donc ceux-là, les seuls qui sont en danger, ce sont ceux qui harnachent les bœufs dans l'Ouest américain. Donc ce n'est pas de ça dont il s'agit naturellement. Avec le Stanton ne suffira pas, c'est bien le casque qu'il faut porter. Bon, c'était pour donner un petit côté plaisant par rapport à quelque chose qui est vraiment déplaisant et une dérive, enfin ça fait partie des dérives de notre société. Hein. Et en Angleterre récemment que les policiers pouvaient checker carrément les contrevenants qui étaient en moto, leur rentrer dedans pour les mettre à terre. Oui, mais les policiers, je vais laisser les policiers et le contrôleur répondre, mais les policiers comme les gendarmes en France, ils ont aussi le respect entre guillemets du contrevenant ou celui, quand je dis respect, on ne met pas en danger. Donc l'idée, c'est pas de mettre en danger, c'est de limiter justement les risques par rapport à des infractions qui sont gravissimes. Donc je ne pense pas qu'on en arrivera là. Je laisse la parole à Monsieur le contrôleur général. Bon, toutes les questions compliquées, je vous les refile. Je connais la pratique donc britannique qui est elle-même controversée, donc même si donc elle a donné des résultats certains, puisque sur les réseaux sociaux figure le chiffre de 38% de rodéos en moins à Londres depuis que les policiers britanniques, et il y a quelques images assez spectaculaires où on voit la patrouille qui effectivement fait tomber un jeune. Chez nous, donc, c'est en France, donc ce n'est absolument pas prévu. Et on veille à chaque fois, donc, comme l'a indiqué M. le secrétaire général, à un équilibre. Un équilibre, donc, ça veut dire que donc un auteur de rodéo donc en flagrant délit, on va essayer de l'interpeller sur un délai très court. Si on n'y arrive pas, eh bien, on le laissera donc partir, parce qu'il ne s'agit pas qu'en voulant interpeller quelqu'un, donc il a un comportement complètement irresponsable qui monte sur un trottoir et qui fauche un piéton. Alors après, on essayera, par le biais des caméras, par le biais de renseignements, par le biais des investigations judiciaires, mais au plan opérationnel, c'est toujours un équilibre. Si on poursuit l'auteur d'un homicide, on le poursuivra un peu plus longtemps.
si c'est une infraction routière ou quelqu'un qui viendra, ce sera peut-être le cas dans quelques minutes, nous tourner autour, donc par provocation, on évite de provoquer un drame pour autant. Merci. À la différence de ces jeunes ou moins jeunes, qui eux sont dans la provocation et qui enfreignent volontairement et consciemment la loi, les forces de l'ordre font toujours œuvre de tempérance et font toujours attention à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Et cette politique-là est, à mon avis, un haut degré de civilisation. Et comme le disait M. le contrôleur général, c'est toujours une question d'équilibre fragile entre effectivement celui qui outrepasse les droits auxquels il n'a pas accès et en même temps la nécessité de respecter en toutes circonstances la vie humaine. Voilà. Et même le délinquant, on évite de le mettre en danger et on évite effectivement qu'il mette en danger en ayant peur tout simplement. Alors la suite de la question peut-être pour M. le contrôleur général, les peines encourues, on peut les rappeler Les peines encourues, elles avaient été rappelées par M. le secrétaire général, un an de prison si le délit est caractérisé, 1500 euros d'amende et surtout ce qui est le plus intéressant donc, pour nous, c'est la confiscation donc, du véhicule. Lequel véhicule étant souvent donc pas en règle, étant souvent donc volé, donc après il n'est pas restitué, donc il est généralement détruit. D'ailleurs, il y a une signature avec Monsieur le procureur et Madame Coenders. Il y a quelques temps, on avait fait ça à Fontainebleau. Je sais qu'il y avait eu un protocole qui avait été signé justement pour signaler que maintenant la ville de Dijon gardait les véhicules et pouvait les revendre d'ailleurs. On ne peut pas les revendre comme ça. Voilà, j'ai bien dit sous certaines conditions. C'est bon pour vous? Merci.